Donc salut tout le monde, c'est Dielcast64 pour le 29e épisode de Pokémon version Ruby Random. J'espère que cet épisode va vous plaire. Moi je suis sûr qu'il va me plaire, de toute façon comme tous les autres épisodes. Alors qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier épisode? On a exploré un petit peu l'épave du New Lavandia. C'est le bateau enfoui entre Poivre Sel et Nukera, de souvenir. À peu près ici. Quelque part ici. Du coup on l'a exploré, mais c'est juste histoire de monter niveau, et j'ai revérifié un petit peu sur Wikipédia à quel niveau il évoluait. Et c'était au niveau 44, soit dans 2942 XP. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour cet épisode là? Eh bien on va on va faire la roue de victoire, hein. Allez, du coup on va devoir passer à Pacifique, c'est le plus proche selon moi. Il y aura quelques dresseurs à faire aussi en passant. Et je pense bien évidemment que ceci sera fait en plusieurs parties. Oh, Yenma. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, on va laisser T-Rex. Avec ma sœurette, on fait de notre mieux. Et bah c'est génial. Nidoran, femelle et Fantominus. Ok. Alors, toi tu vas me faire vent glace, toi tu vas me faire pissoter. Pas très efficace, n'est pas grave. Lui il me fait éruption. Lui fait possessif. Il bloque les capacités de l'adversaire. J'ai pas trop compris en fait. Mais c'est pas grave. On continue comme ça. On va faire cette fois-ci ballon. On voir ce que ça donne. Sa faiblesse. Ok, on l'a terminé. D'accord. On lui refait un deuxième vent glace. Toi, tu vas aller le faire pissoter. C'est pas très efficace. Vent glace. On le termine. Nickel. Nickel. Il monte au niveau 39. Ça, c'est bien. On continue la route. La mer regorge de Pokémon, tu sais. C'est pas facile de nager. Ah, je sais. Je sais bien. Possible. Alors, nous allons faire Mégaphone. C'est le one-shot, normalement. Non, même pas. C'est le two-shot. Ok. Ok. Voilà. Salut mon chou, attends, on devrait s'affronter toi et moi. J'aime pas trop quand les dresseurs ou les dresseuses nous appellent mon chou comme ça. C'est... Oh putain. C'était le type dragon normalement, ça fait blesse, non? C'est ça. Ouais. Ah parce que Munja, il est pas du tout random celui-là. Hein. Enfin il est random qu'avec ses types et ses attaques. Il a toujours garde mystique ce connard. Ce qui fait que... Enfin je me souviens de lui, je sais plus c'était à quel épisode. Il me semble que c'était dans une arène en plus. Hein. Ok. Nickel, on monte au niveau 44. Et bah ça c'est là. On va envoyer... les Ragons. Histoire qu'il monte au niveau 40. Voilà. Nickel. Ça va, on commence à monter le niveau un petit peu. Tant mieux en tout cas, tant mieux. Oh mon dieu, Clapi évolue, enfin. Oui. La dernière évolution de l'équipe, c'est super. J'adore. Enfin. C'est dommage que ce soit vraiment vers la fin. Alors voyons du coup son type à notre cher Clapi. Il est de type combat et il est matinal, se réveille très rapidement. Ça c'est très bien. Parce que à plusieurs reprises on est tombé sur des Pokémon qui nous faisaient hypnose ou des trucs comme ça. Ce qui nous faisait, on peut le dire, vachement chier.
Non, merde, pas objet. Ok, on continue comme ça. La mer à perte de vue. Et ça me rend dingue. Alors qu'est-ce que tu nages de... Retourne à Pacificville au pire. Non, ouah, t'as la police. Rambo. Ok, d'accord, on va lui faire crocher maintenant. Très bien. Très bien, très bien. Il m'a fait super mal, hein. Ça je le cache pas. Va faire lumi-éclat. Ça fait blesse, nickel. Oh putain, il reste un point de vie. Normalement il crève, normalement il meurt. Nickel. C'était son seul Pokémon? Non, il y a Aerobit, ok. Crochet venin. Pas très efficace, c'est un coup critique, d'accord. Rafale feu. Ouais. Ça c'est... non. Rafale feu, c'est... J'ai dit Rafale pseu. Non, c'est Rafale feu. Il a plein, nickel. Ah oui, d'accord. L'oppression revient même quand le Pokémon est mort. C'est un détail que j'avais oublié. Ok. On retourne soigner au Poké. Chuche meilleur. Alors. Hop. J'accélérerai beaucoup hein, dans cet épisode parce que je tiens pas à ce qu'on perde trop de temps. Pourquoi les hommes aiment-ils tant les maillots de bain? Ils me matent nous. Oula, j'ai pas compris. J'ai oublié tout. Non, c'est bon, j'ai pas oublié. Ok. Ok. Il y avait pas de racer quelque part, non? Je suis chemé, hein. J'adore le chuchemur qui a sécheresse quoi. Lui on l'avait pas combattu hein. Et quelle surprise, je ne pensais pas tomber sur un dresseur en air. Je crois qu'on devrait s'affronter. On va le faire crocher maintenant. Fait détection, ok. Contre. Ok, lumière éclat. Crochet venin. Punaise. Lance boue. Ok. On va y faire vol. Ah, un point de vie. J'aime pas ça. Il termine. On l'a terminé. Voilà, on l'a terminé. Ah, il était tenace, hein, sûr. Lanturne. Ok, on l'empoisonne. Il perd un peu de points de vie. Il fait surf. On le termine, voilà. Et il monte au niveau 40. Ah non, même pas. Même pas. Il respecte pas la loi. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est pas ici qu'on a... Non, c'est pas ici. Autant pour moi. Je crois que c'était ici qu'on avait la tour céleste. On va le faire celui-là pour ça. Histoire de monter un niveau. Et à bon. Oh là. Ok. On te termine. Voilà, niveau 40. On va mettre Otariolet en premier. Continue à vaguer, à surfer, à divaguer. Divaguer. Oh là là. Okay. Oula oula. Un peu trop. Toi, je sais pas ce que t'as fait. Ah non. Dans les eaux bleues et profondes de la mer, mon cœur désemparé trouve un réconfort auprès des vagues. C'est tellement poétique. J'adorais. Ok, Mélophée. Malgré. Pas très efficace, pas très efficace. Ok, on se lame.
piège, ok. C'est pas grave. On va rear. Pas très efficace, mais c'est puissant. Ok, ok. Ok, ouais, excuse-moi. J'ai fait une micro-ellipse. Ok, alors, Melo fait KO. Hop, Marest. On va faire Balgren. Toujours pas très efficace. Flèche. Ils ont tous des attaques du feu. Hein. Ah. S'il est bon. Hop. Reiko. Ah, je me souviens que c'était une merde, Reiko. Moi, je me souviens plus de son type. Ça, c'est un détail assez dommage, c'est qu'on peut pas sortir notre Pokédex en plein combat pour voir quel type ils sont. C'est assez dommage. Ok. On lui enlève un tiers de sa vie, on va le faire. J'ai l'attaque qui a loupé. Dommage. Là, du coup, je sais si le Pokémon qui me balance comme ça. Quelque chose, même refaire balance ou un truc comme ça. Je suis à plat encore. On lui refait surf. Nickel. Mais c'est chiant, Raikou, en fait. Hein. Bon, vous savez quoi, je vais faire une ellipse pour aller soigner le Pokémon. Donc, à tout de suite. Oh, tout le monde, c'est bon. J'ai fini, j'ai soigné les Pokémon, hein, comme je l'ai dit. On va faire monter de level au Tariolet. C'est mon premier triathlon, je suis tout tendu et nerveux. D'accord. Que Lorior. Quand j'étais petit, que Lorior, je pensais que c'était l'évolution de Canard Tichot. Bon, ouais. Pas il ressemble. Ouais, ressemble. Un petit peu à cause de sa queue en forme de pinceau, parce que quand j'étais petit j'étais un petit peu aveugle et qu'il y a un artichaut, j'ai pas vraiment remarqué que c'était un artichaut ce qui était normalement en fait. Hein. Donc voilà. Ok, on l'a one shot. Rapace épique. Oh, c'est mon Edith Piaf. Moi te faire Chargeos. J'ai cligné au calme. Ok. On va mettre Rayquaza en premier. C'est monté niveau 40. Et hey, qu'on s'y mette. En fait, j'ai loupé pas mal de rosters. Hein. C'est hallucinant. Chargeos. Surf. Ok. Dernière fois, Chargeos. Lagrun. Il était beau quand même dans cette version, Lagrun. C'était mon starter préféré dans cette jeune version. Ah putain, un pointy. Ah, que dalle. Natou. Ok, marque à crinque. Bon, plus que direct sa montagne à 40. Et ça sera bon. Ok. Je pense que là on doit être bon au niveau dresseur. Hein. On doit être bon. Quoi qu'il y ait peut-être celle-là, qu'on n'a pas encore fait. Non, c'est bon, t'as fait. Ok, nickel. Ça va être un peu plus haut. Mewtwo. Lol. Ah, Monica. Mais on l'a fait, c'était ça. Ouais.
Ça doit être par là. D'ailleurs, j'ai même pas encore vérifié si j'ai un Pokémon qui est cascade. Ce serait un peu con quand même. On va pouvoir surfer sur les cascades. Allez, allons-y, Eternara. Absoluto. On avait fait, il y a les quelques dresseurs qu'il y avait. Alors, cascade. Il me semblait bien qu'il y avait un Pokémon qui pouvait apprendre cascade. Mais je sais plus c'était qui. Donc on a le choix entre Otariolet, Croquin et Opterix. Croquin il a déjà vol, Otariolet il a quoi? On pourrait lui retirer quoi? Alors, 65, 10, 75, 150, on va lui retirer Balgren. Parce que Balgren, c'est 50 maximum, donc du coup non. On lui retire Balgren et on lui fait cascade. Ok. On va aller soigner nos Pokémon, même s'ils doivent pas avoir beaucoup de dégâts. Parce que c'est quand même la route victoire hein, dans laquelle on s'aventure. Ok, allez, on y va. Oui. Ah, je me suis cogné. C'est un peu le truc qui cache tout. Low class. Oh, sympa. Ah oui, quand même. Je prends l'attaque. Fait un peu peur toute cette défense. Hein. Non, en fait, c'est lui qui baisse mon attaque. Oh là là, on va fuir. Allez, low class, je vous jure. De base, il a une défense de cheaté. Chator. Hypnomal. Le 40. J'ai peur pour les dresseurs là qu'on va rencontrer. Hein. Je n'ai pas fait toute cette route pour perdre, pas question. Si t'es le premier dresseur, techniquement, on devrait avoir de quoi te gagner contre toi. Ça me fait peur là. Ok. Les deux dresseurs, ils ont des objets de soin. Ça, je me rappelle. On ira faire à l'ombre. Voilà, ils ont des objets de soin. Par contre, je crois qu'ils en ont. Non, ils en ont aucun. Ça tient tendu là les gens. Oh non. Allez. Réveille-toi s'il te plaît. T'es résistant. Tu peux le faire. Tu peux le tuer. Ok, ça c'est sa faiblesse. Continue comme ça. Je peux le faire. Merde. J'ai pas une guérison qui coûte pas. J'ai pas de. Je soigne là, je peux pas switcher, c'est ça le problème. Dommage. C'est dommage. Hein. Il aura pu finir s'il n'y avait pas pour. On va le finir avec ça, du coup. Oh là là. Oh là là. Ok,
accès ou quoi? Il était type roche. Roche. En train de galérer. Oh, ça. S'il te plaît, hein. On est dans la merde, les gens. On est dans la pure merde. Ah là là là. D'ailleurs, peut-être que je vais mettre en raccourci le vélo. Ouais. On va désélectionner ça. Box. Oh putain, il y a un piège. Il devient de type vol. Là, il devient de type normal. Fait bien sauter. Ok. J'arrive pas avec le vélo. Est-ce que les Nox? Oh là 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 là. Et je crois que je vais finir par distiller les repos, hein. Parce que je sais que j'en ai un. Je viens d'utiliser un putain de repousse, ça fonctionne pas ces conneries. Pourquoi? J'ai utilisé un repousse, hein. C'est n'importe quoi. Fantomus. Repousser qu'au final, et bah tu rencontres quand même des Pokémon, ça c'est chiant ça. Ok, c'est trop difficile et sans fin porte bien son nom de victoire. Bah, si t'en sors de l'autre côté, c'est que tu as gagné. Mais ce n'est que le début de la fin. Libé grand. Sauter, ça ne l'affecte pas, il doit être de type ténèbres. Pas ténèbres, spectre. Qu'est-ce que je suis doué en tape de type? Oh non. Allez, ramène-toi. Plus une tape de courage, tu peux le faire. Elle va faire guérison à tous les coups. Je vais switcher sur Clappy, parce que étant donné qu'il a matinale, il se réveille plus rapidement. Bon, il est type ténèbres, spectre. On va éviter Mégaphone, on va lui faire coller. Ok, bon, pour Météor c'est bien. Que dalle, on peut le faire. Ça, c'est bien pratique quand même. Matinal. Termine-le s'il te plaît. Merci. Ah, le combat, c'est chouchou patate. Hein. Oh putain, faut flash. Et là, je peux pas me passer mes Pokémon. Hein. J'en ai vraiment besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser quelqu'un de toute façon. On va la prendre à croquin. On va lui oublier, genre par exemple, Electacle.
pas avec un écaker. Quelle repousse! Faut compter quand même des Pokémon, hein, je suis désolé, mais non, c'est n'importe quoi. Éclatroc. Azumarill. Il y a masse de Poké là-dedans. Je crois qu'il y a même un moment, est-ce que. Il y a un combat double qui. Ah voilà. Enfin, c'est pas ici le combat double, mais. Je sais qu'il y a un combat double quelque part dans cette grotte. La pensée que je me rapproche de la ligue Pokémon, je le track. Moi aussi je le track un petit peu. Registeel. T'inquiète pas, tu vas gagner la ligue avec cette bestiole. Hein. T'inquiète pas. Bon, moi j'envoie un Pokémon endormi. Hein. Trois fois de suite, t'es sérieux, moi je galère à envoyer Boom Buff là comme ça. Il est sérieux. Eh, 100% de précision là, c'est. Non, Boom Buff c'est pas ça. Tu vas te calmer, Régissime. Sauf de toute façon qu'avec T-Rex on va galérer. On va galérer. Jaune, pas jaune rouge. Rhinophéroph. Nous allons envoyer Iragon, qu'on n'a pas encore envoyé. Osmerang. Et type vol, ok. Sacrée défense ce Poké hein. D'accord. Moi j'appelle ça spammer du implore. Bon. C'est n'importe quoi. Ok, dernière fois, nickel. Ah mais c'est chaud patate. Ludicolo. C'est ta faiblesse. Ah non. Autant pour moi. Mais ça te fait assez mal. On va finir par te tuer. Bastos. Ah ouais, non. Ah ouais, dommage. On galère. On a fini le combat et je pense que c'est mieux de s'arrêter là pour cet épisode. Donc j'espère qu'il vous aura plu hein. Comme je vous l'avais dit, la reducteur se déroulera en deux parties de toute façon. Donc si vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter pour écrire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous abonner pour suivre toutes nos aventures, suivez mon Twitter, likez ma page Facebook et regardez toutes mes autres séries. Moi entre temps, ce que je vais faire, c'est que je vais soigner Pokémon et je vais tous les mettre au niveau 45 je pense, avant la deuxième partie de la route victoire, parce que là c'est ingérable. C'est carrément ingérable. On peut pas continuer comme ça. Bon allez, c'était Diacast 64 pour Pokémon Ruby Random. Donc salut tout le monde.